Allez, on se lance. Bonsoir, bonjour, peu importe à quel moment de la journée vous regardez cela, en tout cas, chers amis de YouTube, soyez les bienvenus, bien le bonjour, nous ne sommes pas, non, je vous casse tout de suite le délire, on n'est pas sur les invocations Burn the Witch, non, il est trop tôt, on n'est que vendredi, on va fermer un petit peu encore, j'ai quelques orbes à gratter, on est présentement, chers amis de YouTube, à 2167 orbes, mais ce n'est pas assez, toujours plus, jamais assez, c'est un peu la politique de la maison. Qu'est-ce qu'on fait là? Parce que vous avez tous cliqué sur la miniature en voyant marquer le mot invocation. Voilà, il va poule. Qu'est-ce qui va se passer? Ce soir, on va se faire un petit préparatif, justement, en vue des poules sur Burn the Witch. Vous le savez, je stack quelques tickets, j'ai quelques tickets 5 étoiles de côté, je dois en avoir 5 ou 6 à la louche. J'ai également acheté le pack débutant à 4,50€, donc qui est un ticket 6 étoiles à choix, donc on va bien sûr pouvoir aller chercher des persos que je n'ai pas sur ce ticket. Et le but étant de pouvoir essayer, en dehors du ticket à choix bien sûr, de chatter un maximum la RNG, de, on l'espère, nom de Dieu, de pouvoir récupérer, pardon le micro, des persos premium que je n'ai pas encore. Eh, un Ichigo des 5 ans, ma gueule. Un Retsu des dissidentes. Un Ulcurin Fierce Battle. Eh, est-ce qu'on serait pas beau avec ça? Est-ce qu'on serait pas bien? Regarde ça, cher peuple de YouTube. Regarde, ils sont tous contents. Ils passent à la télé. C'est beau. D'ailleurs, si tu cherches. Tu déroules la description en dessous. Ouais, vas-y, tu mets en pause là. Vas-y, t'inquiète. Je te laisse 2 secondes. Tu mets en pause. Tu vas voir sous la VOD. Et tu verras. Le lien Twitch pour nous rejoindre en live. N'hésite pas. On est quasiment 300 ce soir. Et tu pourras dire toi aussi la prochaine fois qu'on fera ce genre d'intro. Moi aussi, j'y étais. Enfin, tout simplement. Donc, on va aller se chercher ces tickets 5 étoiles et prier la RNG pour qu'elle nous donne des inédits parce que mine de rien, quand on voit le peu de premium qu'il me manque, enfin qu'il me manquait, parce que j'ai tellement skip de bannière premium ces derniers temps que finalement mon compteur de premium que je n'ai pas, bah, il a un petit peu monté, donc c'est cool. On peut essayer de faire des choses et de tenter un peu la RNG et de voir un peu comment ça va se goupiller. Hop, tac, ça c'est un widget qui marche au doigt et à l'œil. C'est nickel. Alors... Tac, tac. Et en plus, YouTube, hey, t'auras même droit à un petit bonus. On fera même une... On est, voilà, parce qu'on est complètement des foufous ce soir. On va même se faire la loterie publicité en live. Est-ce qu'on n'est pas partiellement dingo, là? Ah, regarde ça, cette incroyable publicité sur The Seven Deadly Sins qui vient littéralement de planter qu'on va devoir relancer. Des os. Ah, alors c'est une incroyable publicité sur The Seven Deadly Sins Grand Cross. Vous savez, le jeu auquel je n'ai jamais joué, auquel je ne jouerai jamais, qui est, manifestement est une pub... pour sourds et muets, visiblement. Alors nous avons, c'est quand même dommage parce que ça gâche ce qui semble être visiblement les incroyables talents de jeu d'acteur de la personne qui a été, du figurant en tout cas, qui réalise cette publicité, qui a certainement été grassement rémunéré par l'éditeur, de manière à pouvoir paraître quelques instants sur cette publicité. C'est quand même dommage, voilà. On parle jamais assez du respect du sound design, on respecte même pas les figurants sur la publicité, c'est un peu ballot. Bref. Allez, c'est bon, ça dégage. Je voulais juste ma loterie. C'est bon, ça roule. Allez hop, expédie, on passe à autre chose. Les pubs de Senseiya. Ah mais les pubs de Senseiya Awakening, elles étaient particulières. Bon, ça, ça va me donner de la sauce. Voilà, parfaitement. Très bien. Vous êtes assuré qu'à partir de maintenant... Oh, bah, tu tombes bien. J'en avais besoin pour refaire différemment. Ah non, c'est Christo et Gem, bah oui, c'est vrai. Non, c'est pas toi dont j'ai besoin, c'est Omaida. Dégage. Parce que oui, je suis en train de rendre également mon compte BBS Corpo. Je suis à peine à 6... Je suis même pas encore à 600 millions de cans, alors qu'il y en a certains qui ont atteint le milliard. Je suis en retard. Voilà, je suis pas assez capitaliste sur ce jeu, donc il faut que j'y aille le plus possible. Alors, d'ailleurs, il n'y a pas eu les voix. Ah bah non, il n'y a pas eu les voix parce que j'ai coupé l'animation. Forcément. Alors, on va commencer par le ticket de loterie 6 étoiles à choix débutant. Attention, ce n'est pas un ticket qui est farmable. Ce n'est pas un ticket que vous pouvez récupérer dans un événement. C'est un ticket que vous récupérez dans le menu magasin Into Pack qui coûte la modique somme en euros de 4,49€. Et voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Rien, parce que ça se limite à ça. Voilà, tout simplement. Merci Kusei, 13k pour le follow il y a 3 minutes. Merci beaucoup et bienvenue. Donc nous allons invoquer ce ticket, sachant que... Enfin, histoire du ticket quand même, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a sur ce ticket exactement? On a toute une sélection qui te permet donc de choisir un personnage 6 étoiles parmi une sélection. Le perso sera obligatoirement de niveau 200 avec son soul tree complété. T'as même pas besoin de le farmer, le jeu te le donne instant level max. T'as plus qu'à le T10 et le transcender si t'as envie de faire ça avec le perso. Sachant que ça, c'est un petit peu dangereux, en fait, ce genre de truc. C'est bien, mais c'est pas bien, en même temps. C'est bien parce que derrière, bah, ça te permet de compléter ton album. Mais ça complète que ton album en 6 étoiles. Parce que concrètement, le fait, par exemple, là, je vous dis une bêtise, nous avons l'incroyable Retsu de Noël d'Affinité Technique qui m'échappe depuis sa parution il y a 2 ans, bientôt, au secours. Si je la sélectionne dans le ticket, chouette, je l'aurai dans l'album. Elle sera 6 étoiles, oui. Il faudrait que je redroppe la carte en 5 étoiles. Bah oui, parce que choper la carte en 6 étoles, c'est pas ce qui te donne le perso en 5 étoiles. C'est 2 cartes différentes dans l'album. Donc, je sais pas. C'est chiant.
Alors là-dedans, qui je n'ai pas sur ce ticket je sais plus si je l'ai, le Grimjo tueur requin, le Grimjo Halloween. Si je l'ai eu il y a pas longtemps, je crois. Si je l'ai eu ce P3 même. Clic. En fait, si tu cliques pour le ticket, ça te met direct la sélection et ça te met si c'est dédié ou pas. Ouais, mais je voulais le pré-shot avant de lancer le ticket, tu viens complètement casser le suspense là. Oh le mec, comment il plombe le truc. Ouais, bah c'est bon, on va pull le ticket quoi. Bah, comment il a tout fucked up le mec. Ok, incroyable. Allez, vas-y, c'est bon, j'ai compris. Allez, vas-y, pull. Allez, hop, c'est bon. Alors, voilà où nous en sommes. Donc, je n'ai pas le Byakuya Cacao Society, je n'ai pas le Hanataro et la Retsu Nouvel An, et bah c'est les seuls. C'est les seuls que je n'ai pas. Ok. Alors après, en matière de persos que j'ai déjà, sur lesquels j'aurais éventuellement intérêt à aller chercher des doublons, la Yorite qui permettrait de la passer SP5, et puis bah c'est tout. Littéralement c'est tout. Donc autant vous dire que je vais pas ruiner, même si malgré tout mon amour pour cette Yoritech, la passe SP5 évidemment ce serait un très bon délire. Mais non, voilà, on va se contenter de ça. Alors évidemment le choix raisonnable, le choix de la raison, ce serait Hanataro, bien sûr pour les chroniques. Mais d'un autre côté, il y a la Retsu Noël dont j'adore le gameplay et le Byakuya Cacao qui reste évidemment mon personnage masculin préféré. Je parle de Byakuya dans le sens large du terme. Merci Earthcliff, oh putain, nom de Dieu, qui vient de lâcher 60 balles. 60 balles d'Earthcliff. Bon, je fais le retour de ce soir en faisant aussi d'une pierre deux coups. Très bonne initiative de ta part. Un joyeux anniversaire à ta maman et je te souhaite une bonne soirée, bon pool, bon farm et sûrement un dimanche soir pour voir cette fameuse OP. Merci Earthcliff. 60 balles. Incroyable. Chers amis de YouTube, effectivement, il risque d'y avoir plusieurs alertes de dons qui vont tomber pendant cette VOD puisque nous sommes présentement vendredi 16 octobre, il est 23h et l'intégralité des personnes qui font actuellement des dons, ça atterrit sur mon PayPal et l'intégralité de cette cagnotte est donc reversée en fin de stream aux The Event en faveur de Amnesty International. Donc en effet on en profite. Là 60 balles de plus qui viennent gonfler cette cagnotte déjà absolument incroyable et qui en est à 153€ précisément, quasiment 154. Ça fait plus de 150 balles destinées aux The Event à la fin. Merci à tous, vous assurez hein, un truc de fou hein. Énorme. Donc je disais, le choix de la raison, le choix du cœur, le choix du gameplay. Voilà, le problème il est là. Qu'est-ce qu'on choise? Si jamais je prends Byakuya, ça veut dire que je complète du coup l'intégralité du roster des persos cacao. C'est le dernier perso cacao qu'il me manque. Hein. C'est pas mal. C'est plutôt une belle collection. C'est une loterie fermée. Après le choix chronique. Oh. Ah. Pour un Ataro, ah j'aimerais bien, un Byakuya tu l'aimes tellement. Là franchement, non mais attendez, je vous dis clairement, je m'écoute là, je pars sur Retsu. Hein. Je suis prêt à sacrifier mon choix de Byakuya. Hein. Je pars sur Retsu cash. Hein. Byakuya a un bon GP, ça a S2 et comme le Kuraku manga. Ah nice. Est-ce que je pars encore un coup? Est-ce que, vraiment, là on me donne l'opportunité d'avoir cette Retsu Noël. Est-ce que, encore une fois, je laisse passer cette opportunité? Encore une fois. Encore. Est-ce que encore elle va m'échapper? Je vais juste donner un petit message si jamais il y a des débutants qui veulent prendre ce ticket. Ce que je vous conseille, c'est de prendre soit le Hanataro pour les chroniques, ça vous évitera de dépenser 800 médailles pour prendre un deuxième Ganju, soit de prendre les persos turoquins. Parce que les persos turoquins, vous en avez besoin autour et ils sont pas forcément faciles à dropper. Voilà, et maintenant, choisis ce que tu as envie. Retsu en filler, pas Biak. Retsu? Comment ça, Retsu en filler? Prends la Retsu, très bon perso, meilleur que Byakuya. Après, je m'en fous qu'elle soit meilleure. De toute façon, c'est des persos saisonniers, ça me permet de compléter l'album, je vous avoue. On peut avoir un détail de la carte? Ah oui, bien sûr. On peut avoir tout le détail. Ah, putain. Qu'est-ce qu'elle est belle, quoi. Elle est incroyable. Ouais. Oui, je vais te dire. T'en fous d'Anataro, t'as juste à prendre notre deuxième Ganju. Toi, t'es pas en manque de médailles. Il te sert à rien. Oh non, ça va. Elle est très très belle, quoi. Ni en manque de Link que des airs rouges, à mon avis. Oh non, oh que non. Je te prie de croire que non. Vas-y. Non, attends, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, faut que je reclique dessus. Derrière, on a le Byakuya, c'est pareil, ce Byakuya sabreur, regardez-moi ça. Quelle élégance! Quelle classe, monsieur! Quelle classe! Quelle classe! Ishin ne vaut pas le coup d'être pris dans ce ticket. Ishin dans le ticket? Non, oh non. Essayez, dans la mesure du possible, si, bien sûr, bon, hors dehors des persos premium particuliers, essayez de vous focaliser par exemple sur les personnages qui sont issus de loteries fermées. Sélection saisonnière, ce genre de choses. Ah, il est une immune para. Parce que ce sont des personnages que vous n'aurez pas forcément le loisir d'obtenir ailleurs.
Et derrière un Ataro, non. Alors, non. Je suis désolé, elle m'a... Bien couillé, malgré tout le respect, je suis désolé, mais cette Retsu m'est passé à côté pendant bien trop longtemps. J'ai bien trop investi. Bien trop... Voilà, il est temps d'arrêter cette mauvaise blague. Et enfin, de faire en sorte que elle arrive. Alors que pourtant, je sacrifie là aussi l'opportunité pour moi de terminer, de pouvoir en finir avec la loterie cacao en prenant le dernier perso. Mais non. Je valide mon choix de la Retsu technique de Noël. De Seymour. Je me délecte de ce qui va arriver. Santa Claus というのは良い子のところへしか現れないそうですよ。Ça. Vous imaginez pas le bonheur pour les oreilles d'entendre ça. Vous n'imaginez pas. Depuis combien de temps j'attends de pouvoir entendre cette phrase autrement que sur le compte de quelqu'un d'autre. Enfin. La bénédiction est brisée. Mais elle n'est brisée qu'à moitié, puisqu'il faut que je la redrop en 5 étoiles pour compléter l'album. Donc je suis pas totalement sorti de la sauce. Ça va bien se passer. Et bien sûr, les 75 orbes, étant donné que le perso était inédit dans la box. Voilà. La petite surprise de fin qui permet de dépasser les 2200 orbes, nickel. Et la volonté du Yogyoku, bah oui, bien sûr. Donc, eh ben, je prends une grande inspiration parce que je vous jure que là, il m'en coûte. Hein. Mais, bon. Stop, Fogra. Là. Ça, ça s'oublie pas, ça. Ouais. Bah, c'est pour moi. Non, vraiment, c'est pour moi. C'est pour moi. Présentement, c'est pour moi. Ah, c'est l'heure de la pub, me dit Earthcliff. Let's go. Désolé pour ceux qui sont pas Ah, impossible de démarrer la pub pour le moment. Ah oui, j'ai mon stream qui plante. Le stream, il plante. Mon compteur de viewers, il est à zéro. Et le débit est à zéro. On est toujours en live, au moins. Oui. Bon. De toute façon, j'ai le live. Elle a des attaques bleues. Oui, elle a des attaques bleues. Elle est attaquante à distance et elle est incroyable. Elle a un Minatsuki de lumière. Du plus bel effet. Alors, par contre, je sais pas si je fais le ticket de loterie 5 étoiles à gogo, du coup. Celui que j'ai avec le pass. C'est un ticket 5 étoiles, tu gagneras pas un ticket BS. Mais t'as dit, tu faisais ton all-in des tickets 5 étoiles. Il est vrai. Alors, on va déjà commencer par faire la loterie 4-5 étoiles ticket gold. Let's go. Ah, le ticket 5 étoiles à gogo, vous voulez qu'il y passe aussi? C'est un ticket qu'on a une fois tous les 3 mois. Oh. En soi. Au secours. Bah, moi, c'est bien, j'ai des faudeurs. Pour ça que j'ai... Enfin, concrètement, je les stocke plus, moi, les tickets gold. Maintenant, dès que j'en ai 10, je les poule. Par contre, les BS, bon, voilà. Ça stocke. Là, vous voyez 1124 sur l'overlay, parce que ça prend les 1039 ici et les 85 du pass à gogo. Allez, on commence. On va commencer par le plus ancien que j'ai. Ticket de loterie, c'est quoi? C'est événement 24. Allez, let's go. Au premier. Ichigo 5 ans, Ultra First Battle. J'annonce. Apache. Je crois que je l'ai eu il y a pas longtemps. C'est Sun Sun qu'il me manque dans les fractionnaises d'Alibel. Oui, c'est ça, c'est Sun Sun. J'ai déjà mis la rose plusieurs fois. Et je crois que là, Apache, elle va passer SP2 ou 3 peut-être. Il me semble que tu l'as eu qu'une fois. Chers amis de Kellab, j'en profite, je vous passe le message. À quand un rework des fractionnesses? À quand l'arrivée en 5 étoiles des fractionnesses qui n'ont pas eu d'autre parution qu'en 4 étoiles? Voilà. On va déjà espérer que Mila Rose est droit comme Sun Sun et Apache et sa version saisonnière. Après, on verra. Ouais. À voir, à voir. À voir. Oui, c'est... Oui, Apache. Oui, Apache. Vous croyez que ça se prononce Apache dans l'anime? Vous croyez que... Vous avez... ce n'est pas un hélicoptère. Ouais, c'est... Pourquoi pas MiG-29 ou Rafale pendant que vous y êtes aussi. Deuxième ticket. Est-ce qu'une âme charitable pourrait me faire un résumé des annonces du début de live? Bien sûr, Vincent. On en termine avec les tickets 5 étoiles. En dehors de la VOD, je me ferai un plaisir de t'expliquer de quoi il en retourne. Ah, quoique, on peut le faire maintenant pendant qu'on poule. J'attends juste de savoir qui tombe là. J'en profite, je te fais un rapide résumé. Who are you? Ah, d'accord. Ah,
Le Uryu the Band. Ok. C'est ok. Uryu the Band, c'est oui, tout à fait. C'est. Je l'avais jamais eu en 5 étoiles. Je l'avais jamais eu en 5 étoiles, c'est un new. J'ai dû l'avoir sur un ticket 6 étoiles, incroyable. Comment? Énorme. Moi, jamais le drop en 5 étoiles. Incroyable. C'est un new. Oh merde. Excellent. 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 Très très fort. Ah ça c'est beau. C'est beau, c'est 50 orbes qui tombent. C'est toujours plus de corpo sur ce compte pour la préparation du Live Burn the Witch de dimanche. Incroyable. Tu l'avais pris sur le précédent pack débutant. Ah ouais, je l'avais eu là-dessus. D'accord. Pourquoi je pensais être voilà pour dire ça? Je sais pas. Quel enfer. Ah, attendez, Twitch a l'air de refonctionner. J'honore la pub. Ça fonctionne. Très bien. Donc c'est bon ça. C'est bon. Il va monter level 100. Je gratte mes 50 orbes. Et hop, direction doublon pour Uryu qui, d'ailleurs, jusque-là, n'en avait pas. Ça va être son premier doublon. Eh ouais, vraie info. Comment t'as fait pour ne jamais l'avoir? Ah mais je suis désolé, je drop que des bons persos monsieur, désolé. Ouais bah donc pourquoi tu vas pas drop? Bah j'ai préféré l'avoir en 6 étoiles direct. Attends, un Uryu, on fait pas patienter un Uryu voyons. Bon, j'ai envie de te dire, ouais tu dis Okura First Battle, Chiyo 5 ans, et Yoruchi First Battle, ça t'intéresse pas peut-être? Chut. Merci Abyss et Renji Manga pour les cafés que je viens d'honorer. On continue avec le ticket Raid Éveillé 6. Let's go. Excellent. C'est l'arrêt de sous-connaissance, ça. Ouais. Yes, l'arrêt de sous-connaissance. Qui doit passer SP5, je crois, avec ça. Je crois. N'hésite pas à rester un peu plus sur l'écran pour ceux qui sont pris les pubs, quand même. Pour ceux qui? Qui se sont pris les pubs. Ah oui, qui voit ce que t'as dans. Désolé. Alors du coup, il est vrai que cette Retsu est quand même une histoire rigolote parce que c'était le renouveau un petit peu des Retsu sur le jeu. On n'avait que des Retsu support à l'époque et c'était l'une des premières Retsu vraiment avec des capacités offensives supplémentaires. Avec de la paralysie partout, du heal, des attaques bleues, c'était quand même assez fou. Hein. Merci beaucoup, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Mathieu qui redonne la boulasse. Tiens, je redonne un peu et un bon anniversaire à ta maman et sur BBS avant que Burn the Witch, j'ai eu Uryu violé pour les chroniques. Ichigo Mugetsu les 4 ans en single avec un ticket à gogo et plein d'autres persos, tu auras le détail sur Discord. Merci Matt en tout cas pour la boulasse qui vient gonfler la cagnotte pour le The Event en fin de live. Merci également à Banana 9220 qui vient de Resub Prime pour son 3e mois changement de badge aujourd'hui pour Banana. Merci beaucoup. Un grand merci à vous. Énorme. C'est très soumuante. Ah, moi elle est étalée sur plusieurs années, sur plusieurs loteries, sur plusieurs périodes. Allez, on continue. Ticket 5 étoiles, raid éveillé. Let's go. On est déjà sur un gain de 125 orbes ce soir, mes enfants, c'est déjà bien beau. C'est beau. Putain, j'y crois pas. Ouais, c'est pas le tech, hein. Ah putain, je... Non. Eh bien, écoutez, c'est avec un ton très solennel que je vous annonce que ce Shuei Tag Team, au demeurant très gros cogneur, vient de passer SP5. C'est beau. Et maintenant, il n'y a plus qu'à dropper le texte en dernier ticket et on est bien. Merci également à DevJax qui donne la boulasse. Merci beaucoup, Psycho 50 et Mini Noël en animation de Tokishima. Ça va pas y a 50 ce matin. Il voulait dire, mais il se lève à 5h. D'où il dort. Chez. Ah, d'accord. Merci en tout cas pour la boulette. La boulette. Merci pour la boule, DevJax. Moult bisous. Merci également à Robert Le Sang pour le follow. Bienvenue. Putain, j'ai dit ça. Non, on va pas le full trans. Jamais. Allez, ticket Raid Éveillé 9, let's go, parce qu'il nous reste encore le ticket passe à gogo de Mons Booba. Go le vendre. Non, si proche de le passer SP5, ça se fait pas. SP5 aussi, je crois.
du coup. Ou SP4 minimum. SP4 minimum. Mais quasi sur SP5. Mais SP4 minimum. Ouais, bon, d'accord. Bon, c'est pas forcément. Ouais. C'est bien. Bon, il est là. Voilà. Hein. On va pas réécrire l'histoire, hein. Il est là. Hein. Bon. Into. Ticket de loterie 5 étoiles à gogo de ses morts. C'est sur un roster fermé ou pas ça je... Non, c'est la premium classique, ça, il me semble. Il me semble que c'est toute la premium. Oui, c'est... Il y a des saisonniers dessus, non? Oh, je sais plus. Non, je drop jamais dessus, donc j'en sais rien. Non, les saisonniers, c'est sur l'autre pass, c'est sur le pass à 30 balles. Merde. Bon, et eh ben écoutez. Le dernier, ticket 5 étoiles pour valider le all-in. Let's fucking go. J'ai en plus de fractionnés. Oui, bah voilà, oui, exactement. Mais au moins lui, il est en 5 étoiles. Alors là, je m'en serais bien dispensé. Hein. Pour être tout à fait sincère avec vous, je m'en serais tout à fait dispensé. Hein. Mais vraiment, mais alors, totalement. Hein. J'avais reconnu la voix d'Henri Mimi, mais je dis, c'est quelle version? Ah bah, c'est une version... dont je me fous pas mal. Je dois bien le dire. Hein. Bon, bah écoutez... Hein. Link édition. C'est ça, ouais. Totalement. Go la trans, non. J'ai pas votre temps. Voilà. Donc, non. Non, là, Orihime, ouais, c'est juste un link. Hein. Et voilà, on va se calmer. Hein. C'est un motherfucking link. Bon, bah, y'a plus rien à claquer. Hein. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, parce qu'après, les BS, on les garde. On va garder les gold. Niveau item, j'ai rien, de toute façon, là, niveau item. Je crois d'ailleurs que l'overlay n'est pas à jour avec les items. On est à 599 notés pour 626 présents. J'ai même pas de quoi vous faire une multi-gold. Tellement ces tickets tombent que dalle, quoi. Vraiment nul. Ok, bon, et eh ben écoutez, on en a terminé. 125 orbes au bénéfice de ce soir, qui vont me faire dépasser les 1300 orbes pour dimanche. C'est ok. Voilà, parfait. Chers amis de YouTube, nous allons vous abandonner là pour ce soir. Nous reviendrons évidemment très vite avec les loteries, la loterie, concernant Burn the Witch d'ici dimanche soir. Vous, je pense que vous verrez cette rediff de Burn the Witch le lundi, je pense. Donc, nous verrons cela en fonction de l'organisation d'un week-end assez... Au secours. On vous fait des gros bisous, chers amis de YouTube. On vous dit à très vite pour la suite. Au revoir.